dans l'impressionnant catalogue des œuvres de Charles Boudot, compositeur français, ayant vécu de 1818 à 1893, il y a les opéras les plus connus, comme Faust, qui fut à l'époque l'œuvre la plus populaire sur le plan international, mais aussi Roméo et Juliette, Mireille, et encore une très importante production de musique religieuse, composée dans la dernière partie de sa vie, telle la messe dite aux chapelles, dont nous avons choisi de vous interpréter aujourd'hui deux extraits, le Kyrie et le Gloria.